Donc bonjour, je suis Stéphanie Ferraud, co-gérante de l'ERL La Saint-Sardière sur Saint-Épin. L'exploitation existe depuis 1993 et en 2013, nous avons décidé de diversifier la production sur l'exploitation en créant un atelier fraise. Donc d'avril-mai, j'ai la production. En 2021, nous avons aussi à nouveau créé un nouvel atelier qui est l'atelier des tomates. Donc je vous propose différentes variétés. De la Docimo, tomate style cœur de bœuf. Donc c'est une tomate qui est charnue, comme vous pouvez le constater. Très très bien à la cuisson et parfaite à toute sauce. Nous avons ensuite de la tomate ronde qui est la Paoline. La Paoline, c'est un juste milieu entre l'acidité et le sucré. Nous avons ensuite de la tomate olivette, celle qu'on appelle la myriade, qui a une très bonne tenue en cuisson par le fait qu'elle ne rend très peu d'eau. Toutes ces variétés, je les ai choisies et elles n'ont très peu de pépins. C'est pour cela que je les ai d'ailleurs choisies. Je vous propose ensuite des piments, piments Rhino, donc piments doux. Et la dernière culture, ce sont des poivrons. Donc on a du Giunto, donc qui est vert et qui, quand il mûrit, devient rouge. Et on a donc du poivron Twingo qui, lui, quand mûrit, devient jaune. Pour l'instant, on n'a que du vert. Voilà tous les produits que nous pouvons trouver actuellement sur la ferme. J'ai aussi, quand la production le permet, des courgettes. Mais pour l'instant, voilà. Donc je vous invite à me contacter si vous souhaitez de bons légumes qui sont cueillis à maturité, donc par SMS ou par ligne téléphonique au 07 60 03 24 69, ou vous pouvez aussi me suivre sur le réseau social Facebook à mon nom Stéphanie Ferraud. Voilà, merci, à bientôt. Sur Facebook, ouais, sur pourtant, pourtant on regarde. Ah, mais c'est vous qui vous faites pas les fraises aussi? Oui, bah voilà. Mais là, j'en ai plus de fraises. J'étais venu à la ferme. D'accord, ouais, mais là, j'en ai plus de fraises. Avril, mai. Voilà, vous êtes là, mais... Bah, en fonction de la production. Ah, oui, oui. Donc, si je suis là, je suis...